pour un truc. Puis le cercueil, ça fait ça quand même bien épuré quand même. Genre, je sais qu'on peut. Ben, c'était la version finale sur mon blog. Ouais. Fallait, ben c'était les consignes de limiter le nombre de détails sur le cercueil. Ouais, c'est ça. C'était. Faut pas aller trop détaillé non plus. Dans la l'idéation, ça, ça a été vraiment si on avait une vieille ici. Ouais. Mais malheureusement, c'est l'idéation de comment ça va fonctionner. C'est amené à ceci, un modèle qui est épuré, puis on peut avoir une séparation, puis on a mis ce sujet de remplacement. Ok. Moi, l'idée de faire ça sur un building, c'était quand j'avais lu un article que j'étais tombé, genre qui disait que il y avait plus de place pour des cimetières, fait que il faisait des cimetières par étage, puis j'ai fait comme mon Dieu, ça pourrait être un bon setup pour faire ça. Cimetière, pas cimetière. Ouais, en tout cas. Ouais, c'est ça. Mais en tout cas, c'est là que ça nous est venu l'idée, puis à part de ça, pour faire le scénario image, ça c'était quand même assez facile, c'était pas trop. Ben c'est ça, un style cartoon, puis on a surtout genre fait l'action très simple. Ouais, on l'a fait exagérer, mais on voulait quand même que ça soit simple, justement. À cause d'une autre vidéo que j'ai faite récemment, ça a comme. J'ai reçu beaucoup de critiques dessus, donc je voulais vraiment essayer avec l'idéation de faire une action simple pour que justement on puisse faire une action plus simple pour que ça demande plus d'attention dans l'animation. Quoi que t'avais eu comme idée, c'est comment que t'as eu le processus pour genre justement trouver les dispositifs et tout ça? Ben, d'abord, l'idée c'est qu'il fallait qu'on fasse quelque chose d'original, donc j'ai essayé de trouver quelque chose qui n'a jamais été fait, et alors ça m'est venu l'idée d'un vieux petit tour de magie qu'on m'avait réalisé quand j'étais petit, avec tout simplement un aimant. L'idée c'était qu'avec le décor on puisse créer des éléments animés sans avoir à utiliser des suspensions complexes comme avec des vitres ou encore des fils de néon quasiment transparents. Alright. Donc, sinon pour ce qui était du building, il fallait que je fasse quelque chose d'assez consistant vu qu'on avait que du carton pour le faire, et je peux vous dire que j'étais vachement content quand j'ai réussi à le finir. Ah ouais. Je sais que t'as fait des genres de dispositifs comme ça aussi là pour faire tenir le. Genre, peux-tu nous expliquer un peu comment genre que. Pourquoi t'avais mis ça ou les petites affaires de même? Bah déjà pour la base, avec la base, bah c'était comme dans les petits jouets dans les boîtes de céréales. Ouais. L'idée que ça soit assez rapide et simple, donc j'ai fait les formes. Chacune des encoches, chacun des éléments a des encoches, mm-hmm. ainsi les deux éléments pouvaient s'emboîter et tenir automatiquement debout. Alright. Et ça se faisait tout seul. Pour ce qui était des éléments à l'arrière, les petites tiges, le problème c'était que le carton à la base se tordait ça doit pas se voir. Bah ça pliait dans le fond. Ouais, c'est ça. Les éléments se pliaient à cause de la tension due aux éléments qui étaient collés sur le carton. Mmh. Du coup, j'étais obligé de faire une tige supplémentaire pour créer un genre de contrepoids sur cette tension et ainsi forcer le carton à se remettre droit. Ouais. Alors, parle-nous un peu des expériences d'animation. Comment tu t'en es sorti chez... C'est ça. Ben dans le fond, au début, ce qu'on avait fait, c'est qu'on avait utilisé des petites épingles comme ça, genre, pour justement les faire tomber, mais on réalisait que c'était trop lousse. Fait que dans le fond, j'étais allé voir justement Mario pour lui demander comment on pourrait faire pour que ça s'anime mieux, puis c'est lui qui m'avait recommandé d'utiliser genre des fils de métal, puis
Il avait utilisé du scotch tape, mais je l'avais testé dans la mise à mouvement, puis c'était trop. C'était pas assez stable, fait qu'on a vraiment. J'avais vraiment ajouté de la colle chaude pour vraiment m'assurer que ça s'allait bien, puis là on voit que ça s'allait pas mal mieux, puis c'est pas mal plus malléable, puis pour ce qui est genre justement du possible pour le tenir ici, c'était vraiment quelque chose de simple comme la gommette, puis c'était pas ma main plus compliqué que ça. Test de mouvement, mais on a fait un. J'ai fait un mouvement simple où est-ce qu'il essaye de s'arracher le cercueil comme ça, puis un petit saut. Juste pour voir si ça s'animait bien. Puis en général, oui, ça s'animait bien.